Vert. Comment tu dis une épine? Une épine dans le pied. Une épine dans le pied. Un bout de vert dans le pied. Un bout de vert. Glass, he felt like a glass in his feet. Non, dis-moi juste le terme, un bout de glace. A sliver, you have glass in your foot. In English first. First of all, thank you for everyone to watch the fight. Attendez. Laissez-moi expliquer en anglais d'abord, après on va parler français. So I didn't want to stop the fight, and not at all. I wanted to fight, of course, as everybody saw. But I have like a small, I still have, because I don't want to remove it. I don't want people to say I'm a liar. I have a small glass on my foot. I don't know inside the cage, so it's hurting me. I just want to remove it and keep going. So the referee told me, you can't stop. I say, okay, I wanted to fight. And then my opponent, he's looking at me. He's seeing that something is annoying me. He say, just remove it. And then we stop both together, looking at the referee, and then he stopped the fight. It's not his fault, of course. That's not his fault. That is the referee's fault. But you know, it is what it is. I don't even know what to say. You know, I still have the thing on my toes. I really don't know what to say. You know, I wanted to fight. I don't understand. Expliquer en français du coup à la. Bon, hey, d'abord, merci à tout le monde d'être là. Franchement, en public de malade mental. Hey, franchement, je me mets à votre place. Je suis dégoûté. Je voulais voir un combat de malade mental, pas un combat qui s'arrête comme ça. Première chose, c'est pas de sa faute. Faites du bruit pour Baki, c'est pas de sa faute du tout. Hey. Lui, il est venu pour en découdre. Donc si on doit mêler quelqu'un, c'est pas lui, c'est l'arbitre. Non, je rigole. Alors je vais expliquer, en fait, on était en train de combattre et j'ai senti qu'il y avait un bout de verre ou un bout de bois, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un bout de verre dans mon orteil, mon pouce gauche, et ça me gênait. Du coup, j'ai dit à l'arbitre, il me dit qu'on peut pas arrêter le combat. Je dis ok, je continue, mais je sens qu'il y a un bout de verre en fait. Du coup, je le dis à Baki, je dis frérot, il y a un truc qui me gêne. Il me dit, bah enlève-le. Je dis, bah ouais, je vais l'enlever. Et là, l'arbitre, il arrête. J'ai rien compris, franchement, je sais même pas quoi vous dire. L'arbitre, il a arrêté, il me dit, tu peux pas arrêter le combat. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais j'ai pas arrêté le combat. C'est l'arbitre. Je comprends pas, tu vois. Before we let you go, Cedric, clearly this is not settled. This is not the climax, this is not the finish anybody wanted. Do you want to run it back? Would you like to fight Baki again? Bon, là, il vient de me parler français avec sa cravate. En vrai, la question, je me la pose pas à moi. Est-ce que vous voulez voir le fight encore? Et je pense que Baki, il veut pas le refaire, il veut le faire. Parce que là, le fight, il s'est pas fait. Est-ce que tu es d'accord? Je sais pas. Donc, et moi, of course, bien sûr que je veux faire le combat. Eh, hey, je vous jure, là, je parle avec l'émotion et tout. Je vous jure, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre a arrêté le combat. Je ne comprends vraiment pas et je suis très déçu que ça se finisse comme ça. Donc, bien sûr, je veux refaire le combat. Je veux faire le combat. Of course, I want to fight. Thank you, Cedric. Baki, please.